Yes, indeed. Merde, bon. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. J'ai lancé, tant pis. In venturing north, the pilgrims discover the truth. J'ai pas vu ça. Je l'ai sauté exprès quand j'ai fait la, quand j'ai testé. Je parle de la vidéo. Je parle pas du, de la fille. Ça c'est trop stylé, la mise en scène elle est ouf. Aldrich, Saint of the Deep. Bon, je suppose que c'est les boss que je vais devoir défoncer. Farron's Undead Legion, the Abyss Watchers. Putain, c'est épique. Oh putain! Ouais, super! C'est en général à ce moment-là que tu te dis, mais pourquoi, quoi? Pourquoi ai-je fait cette erreur que de commencer ce jeu? Ce jeu va me rendre fou, je le sens, mais bon. Seulement voilà. The lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. So it is that ash seeketh embers. Ok, bah on est parti, hein. Alors, oh. Olivier mine, les gars. Ben oui, ça a été voté. À 18% sur les... Voilà, il est là. Il est là, mes amis. Olivier mine. On va manger. Mais voilà. Des chips. Ok. Alors, sexe, homme, âge, jeune, classe. Alors, je vais pas... je pense que je vais prendre chevalier. Parce que... parce que voilà... parce que en fait je me suis jamais autant préparé pour un jeu. C'est un truc de ouf. Genre à chaque fois genre je regarde des images du jeu, je regarde la bande-annonce, puis je fais bon, ça a l'air cool, voilà. Là j'ai regardé des tutos, quoi. J'ai regardé des mecs qui expliquent, alors telle classe elle est bien, elle est mieux, au début je te conseille de prendre telle relique funèbre et tout machin. Donc étant donné que moi j'ai jamais joué, moi j'ai juste testé Bloodborne une fois sur PS4 et que je me suis fait mais. Défoncé par les trois premiers mecs que j'ai vus, je me suis dit ok super, c'est chaud à la race. Du coup, je me suis dit allez on y va, on fait Dark Souls 3. Donc du coup j'ai regardé et la meilleure classe, je pense que je vais prendre chevalier parce qu'apparemment c'est la plus basique et c'est celle où, enfin, vu que je suis un débutant, je vais commencer par ça, quoi. Ok, donc maintenant.
Oh putain, oh là là, t'es pas beau toi. Alors, il va s'agir de recréer, mesdames et messieurs, Olivier Mine. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Olivier Mine est quelqu'un qui fait... Matsuke 16, hein, qu'est-ce que... Alors, j'ai pas compris. Il faut que je trouve quelqu'un qui ressemble à Olivier Mine. On va essayer de faire un Olivier Mine standard. Voilà, irréptilien, on est pas mal. Morphologie. Bon, Olivier Mine style, hein, un petit hors haut du corps musclé. Tu peux rester, pas de problème. On va manger. Bonjour! Bienvenue à vous. Alors, ouais, je suis tout blanc, quoi. Bon, allez, haut du corps musclé, je vais me faire un mec un peu badass. Non. Jeune. Enfin, Olivier Mine, il est un peu vieux, quand même. Oh! What the... Ah, mais pourquoi? On va rester jeune, hein. On va rester jeune au niveau du physique, musculature, musclé parce que c'est Olivier Mine, épais parce que c'est Olivier Mine. Oh, non. Alors, couleur de base, oh la vache. Bon, Olivier Mine style, hein. Tu peux rester, pas de problème. Ah, il est pas beau. Oh, je sais pas. Oh là, ah oui, donc il y a vraiment tout l'attirail, quoi. Ouais. Arrête du nez, bouche, menton, ouais, on s'en fout. Cheveux, pilosité, alors... Comment il est coiffé, Olivier Mine? Ah. Ah ouais, d'accord. Bon. Bon allez, Olivier Mine. Couleur des cheveux, noir, parce que c'est Olivier Mine. Allez, bim. Allez, grosse beubard des familles. Oh là là. Bah, pff, c'est Olivier Mine, hein. Est-ce que je fais Olivier Mine pour de vrai ou est-ce que... Oh là là. Ou est-ce qu'on s'en bat les couilles et je lui fais juste un... Je lui fais la gueule que je veux en gros. C'est ça la question. Oh. Mon dieu, tu es si beau. Tu peux rester, pas de problème. On va manger des chips. Alors ne paniquez pas pour ceux qui ne savent pas ce que c'est juste que quand quelqu'un se met sur mon chat, j'ai mis un petit son rigolo de la classe américaine. De toute façon, on verra pas ma tête en vrai. Donc, ouais. Ouais. Bon, cheveux longs ou pas?
Tokyo Hotel Style. Ouais, moi je pense qu'on va rester là-dessus. Hein. Bon. On s'en branle après tout. Hein. Allez, on va juste mettre un iris. Je fais n'importe quoi. Le maquillage, on s'en fout. Tatouage, tiens, tatouage sur la tête. Ah ouais. Oui. Je sais pas, moi, rien. Allez, on va lui mettre ça, parce que c'est cool. Oh, la violence, eh ! Merde. Salut, pardon, je suis énervé. Alors, on va partir, oh, pff, n'importe quoi. On va partir sur une classe, Salam Lelukum. On va jouer, on va la jouer chevalier, les mecs. Hein, parce que c'est un peu la meilleure classe. Alors, on peut pas le mettre à poil, on peut le mettre à poil comme ça. On va partir là-dessus. Hein. En fait, on va partir là-dessus parce que ça m'a été conseillé un milliard de fois. Je me sens pas d'être guerrier. On va se la jouer peinard. Pas de librairie, non. Alors. Bon, à prendre l'anneau de vie. J'ai l'impression qu'on est bon. On va partir sur le chevalier, hein, parce que j'ai pas envie de crever. Donc voilà. J'espère que vous êtes prêts. Parce que c'est parti. Non, 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 non. Bah, il y avait jusqu'à 20h, les mecs. Tu peux rester, pas de problème. Il y avait jusqu'à 20h. T'es en train de me foutre le doute. Je vais aller vérifier quand même en 2-2, mais... Mais t'es vraiment en train de me foutre le doute. Ah bah oui. J'ai vu mon petit Actimel. Ah, c'est devenu le baron sanglant. Ah mais les gars, j'avais dit jusqu'à 20h. Bon, qu'est-ce que je fais? Allez. Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, qu'on en finisse. Est-ce que je l'appelle Olivier Mine? Ou est-ce que je l'appelle le baron sanglant? Voilà. C'est à vous de... Voilà, le petit Bob, voilà. Voilà. Choisissez parce que je ne sais pas. M'avez foutu le loot, putain de merde. Ah, oh, et ben voilà.
Eh ben, ça sera Olivier Mine. Oui. Oui, non, mais voilà. Hein, on va faire ça parce que bon, parce que voilà, parce que ça commence à bien faire. Ouh. Ah putain, j'ai... Oh là là, je suis tellement content de jouer. Espèce de bâtard. Ouais, non, bah tant pis pour toi. De toute façon, apparemment, d'après Alice Briniller... On verra. Wouh! Oh putain, c'est beau. Mesdames et messieurs, nous sommes en 60 FPS. Commande caméra. Ouais. Pardon. J'avais vu un truc chelou. Ouais. La 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 la. Alors, je connais un peu les touches. Hein. Ah, je me protège. Attaque puissante. Ouf. Verrouillage cible. Ok. Premier ennemi dans le jeu. Oh, c'était dur. Bon, évidemment que... Je vais beaucoup m'amuser. Hein. Je vais faire ça pendant des heures. Alors, hop là. Donc j'ai eu mes premières armes. Alors j'ai vu pas mal. Alors j'aimerais bien savoir, tiens. Dites-moi dans le chat, mes chers amis, s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait Dark Souls 1, 2, Demon Souls, Bloodborne, ou Dark Souls 3 même. Ça m'intéresse. Oh le con ! Ah ! Voilà, alors ça commence très bien, bravo. Alors, voilà. Fiole d'estu cindru. Alors, je me suis arrêté là et je me suis arrêté exactement ici la dernière fois. Merde! Je me suis gouré de boutons. Voilà. Oh là, oh là, oh là! Non, non! Non! Putain, eh, sérieux, je me fais avoir dès le début, quoi. Ok. Non. Ok, putain, hey, c'est déjà chaud. Hein. Je stresse déjà là. Comment ça va le stream? C'est fluide ou pas du tout? Manier l'arme à deux mains. Ok. Ok. Ouais, c'est fluide, vraiment pas. Faites demi-tour, ta race. Je fais pas demi-tour, mec. Pourquoi il me dit de faire demi-tour? C'est chelou.
Je sais pas ce qui se passe, hein. J'ai peur. What? What? Non! Non, non, non! Oh, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Pardon, mon jeu. Oh là là, oh là là! Sérieux? Oh putain, bref, faut que je change mon discount, je ferai ça plus tard. Oh les mecs, ça fait tellement chaud. Ah bah bien sûr. Toi t'es mort. Toi t'es mort aussi. Ça va être génial les gars. Les gars, ça va être incroyable. Oh, putain. Mais qu'est-ce qui se passe là? Attendez, il y a des trucs. En fait, mon PC fait des bruits chelous. Je sais pas si vous les entendez, mais. Oui, mais oui. Attendez. Attendez deux secondes, hein. Je vais juste voir un truc parce que. Il me fait des trucs chelous à mon PC. Oh putain. Donc, voilà, ce sont les choses qui arrivent. J'ai un petit retour bureau pendant. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et attendez, je regarde juste parce qu'il est censé me dire des trucs, mais il me dit rien donc. Ah, c'est que ma manette, elle se débranche. Ok. C'est parce que je bouge trop avec ma manette, je pense. Ok, c'est tout. C'était tout. J'ai évité de faire trop de mouvements avec ma manette, quoi. Est-ce que je leur tente le gros loulou, là? Je leur tente ou pas? Parce qu'il a l'air bien quand même. Parce qu'il a pas l'air très dur en fait, mais. En fait, les bugs, c'est que ma manette se débranche des fois. Hein. Donc, pas de panique. Non! Ah oh mais qu'est-ce qu'il me fait? Deux secondes, j'ai des bugs, c'est chiant. Putain! Qu'est-ce que pourrait il bug? C'est relou. Bon, je suis désolé, c'est mon. Putain, vas-y, c'est. Ça, c'est. Je comprends pas. Ça me casse les couilles en fait parce que ça bug. En fait, je bouge ma manette. Là, voilà, ok, donc c'est bel et bien ma manette. Ok, ça.
C'est bien ma manette, c'est bon. Ok. C'est pas les paramètres graphiques, c'est ma manette. Bon, j'ai... Il me saoule l'autre en fait. Ok. Il me saoule en fait le dragon là. Oh putain mec. Attends, c'est quoi? Parade, riposte. Ok. Alors c'est pas les paramètres graphiques puisque le jeu freeze 0, il y a aucun problème. Je le refais ou pas? Est-ce qu'on reste sur ce fucking lézard qui casse les couilles ou comment on fait? Est-ce que je reste sur le gros lézard ou j'avance dans le jeu? Tant pis, je le laisse tomber. Tu peux rester, pas de problème. On va manger. C'est une vraie question. Répondez-moi! Je vais péter un câble. En vrai, ça a l'air simple comme jeu, mais ça ne l'est pas du tout. Oh, j'ai mes âmes! Bon, je fais quoi? Je me casse ou je le défonce? Apparemment, ils donnent des bons bonus des familles, mais... Ah ouais, c'est... Ok, bah 2 secondes. Ah oh. Merci beaucoup. Ok, c'est trop haut.
Récupération des PV et PC, remplissage de la fiole d'astuce. Bip. Poum poum. Merde. Oh putain, je suis... Hey, il m'a fait bader le gros là. Putain, hey, j'ai pas encore les techniques. Hein. Ah putain, c'est pour aller là. Alors j'ai vu des mecs faire ce truc là. Mais non. Oh là là, quel gros naze! Quoi. Non. Genre, il y a déjà un boss là? Tu peux rester, pas de problème. On va manger des chips. Bon, faut que je le fasse apparemment parce que ce bonus là il est important. On va leur dire bonjour. Tu peux rester, pas de problème. On va manger des chips. Oh non! Oh! La bombe incendiaire. Voilà. La bombe incendiaire. Alors, équipement. Pardon, putain, je suis paumé, quoi.
Bravo. Ok, je crois que... Oh putain. Putain, mais je suis pas prêt, quoi! Vas-y! Y'a un boss déjà, quoi! Les mecs, le jeu a commencé à 5 minutes! Casse-toi. Excusez-moi, j'ai des petits soucis de... Je... putain. Ça sert à rien que j'ai pas rouge ça. Oh, pas vous encore. Ok, les PD. Voilà, ta race. Mais quoi? Ta race, toi. Vas-y, tu m'as saoulé, là. Mais casse-toi. Oh. Salut bébé! On est face à un jeu, mon petit loulou, c'est incroyable. Non, ils ont déjà l'air gain un item, m'en fous, j'ai pas envie. Merde, attends. Est-ce que j'ai perdu mon fragment de titanite? Non, il est là. Bon, on est bien. Tu peux rester, pas de problème. On va manger des chips.
Oh, il a toute sa vie. Non. Oh putain, pourquoi, comment je fais? Putain, j'avais plus de stamina, putain! Sérieux quoi? Tu peux rester, pas de problème. Trop gourmand! Oh là là là. Oh là 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 là, putain! Non! Non! Vas-y, j'ai pas la technique. Oh la vache. Ah putain, c'est quoi ça? C'est quoi? Estus cendreux. Quoi? Pourquoi je l'ai pu? Ah merci, oui. Salut Drich 2000. Je commence à peine le jeu. Putain, je comprends pas son pattern, il me saoule. Je comprends pas son pattern, il m'énerve. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas.
Je comprends pas son pattern, il m'énerve, je le comprends pas. Je le comprends pas. Je comprends pas. Non, 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 non. Je vais pas abandonner tout de suite, hein. Ah là là! Je suis un bouffon, pourquoi je lui tourne le dos, moi? Merci beaucoup. Putain. Tu peux rester, pas de problème. Il se moque! Il se moque! Vous moquez. Non! Mais non! Allez, ta mère! Ok, 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 j'ai plus de stamina, ok, ok! Non! Non! Putain! Non! Salut Arthur! Oui, c'est mon premier saut. Combien de fois je suis mort? Combien de fois je suis mort? Je le marque comme ça, on sait jamais. Je suis pas prêt, les gars. Tu peux rester, pas de problème. On va manger des chips. Voilà. Allez, 7. Ouais. Voilà. Putain, puis toujours les mêmes mecs, quoi. Allez, viens. Allez, viens, mon copain. Putain, j'ai pas le timing encore. Hein.
Merde. Je vais déprimer. Je vais déprimer, quoi. Pour ceux qui me suivent, ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé sur... sur Jedi Knight 2. Où j'arrêtais pas de crever tout le temps. Ok, on est quasi bon là. Je vais mettre une musique pour si vous êtes chaud. Tu peux rester, pas de problème. On va manger des chips. Merde, trop tard, je peux pas, putain. On peut pas mettre pause dans le jeu. Trop gourmand, trop gourmand, trop gourmand. Non. Trop gourmand. Non. Non, meurs pas, putain, pas maintenant, je t'en supplie. J'en peux plus. Non, mais putain. Non. Allez, 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 allez. Allez, allez. Non. Ça de vie là, ça. Ouais putain. Mais... putain, on est au début les gars quoi. On est au début, c'est le premier boss quoi. C'est rien, j'ai eu 4 ennemis avant quoi. Offensif. Ouais, ça va, je commence à les gérer. Ouais, merci beaucoup, merci. Qui savent pas, pour ceux qui, oui, pour ceux qui n'auraient pas lu, enfin, je vois pas pourquoi je dis ça en fait, je te vais. C'est mon premier Souls, évidemment. Ok. Je vais mettre une zik pour me motiver parce que je vais pas y arriver autrement. Je sais pas laquelle. Je me suis fait une playlist hein, mais Allez. Salut ma gueule!
Non putain. En fait je joue, j'ai l'impression que c'est pire. Putain, je fais pas du tout attention à ma stamina en fait. Je m'en fous. Ah putain. Vas-y, ça m'a saoulé. Allez, ta mère, et voilà, j'ai voulu mettre un petit Meshuga, parce que Meshuga, d'habitude, ça m'aide pas mal. Ça a eu complètement l'effet inverse. Okay. Merci beaucoup. Oh putain. Ah j'en peux plus. Ah je suis fatigué. Eh bon, d'Extreme Death d'ailleurs, Pierre, j'espère que tu serais content que j'en mette. Pour ceux qui demandaient, pour ceux qui s'étonnent, pour ceux qui voudraient savoir, on ne sait pas. C'était un morceau de Meshuga qui s'appelle Do Not Lockdown. Disponible sur l'album Colosse, sorti en 2012. Voilà voilà. Merci, tu es gentil. Mais les gens vont peut-être avoir peur. Mais on les emmerde. Non, c'est pas vrai. C'est faux. On vous emmerde pas, on vous aime. Et ils ne seront prêts à vous accueillir le moment venu. Lorsque vous serez prêts à écouter du Meshuga. En fait, ça a eu complètement l'effet inverse, c'est bizarre. Ça m'a complètement déconcentré. C'est pas bizarre en fait, c'est juste que ça m'a déconcentré. Ouais, mais bon. Bon, alors faut que je le dash vers la droite, le mec. Tu peux rester, pas de problème. Pose blanc. Oh là là. Non, je mettrai pas de charisme, Benoît. Je suis désolé. Moi, charisme, ça me motive pas des masses. Qu'est-ce que tu fais? Je suis gros de bouton. Voilà. Ah putain, ça peut le faire! Ah putain, j'ai plus de stamina! Allez, ça peut le faire! Allez, ça peut le faire! Tu peux rester, pas de problème! On va manger des chips!